Welcome to a virtual program celebrating the sister city relationship between Honfleur, France and Burlington, Vermont with the mayors of both cities. I'm Fran Stoddard and I'm a member of the sister city committee. 10 years ago, Burlington representatives visited Honfleur, France to honor the 400th anniversary of Samuel de Champlain's discovery of the lake to which he gave his name. Champlain made numerous trips to New France, which is now eastern Canada, most frequently departing France from Honfleur Harbor. After many exchanges, delegates from Burlington and Honfleur met last fall to formalize an ongoing sister city connection with a charter. Since the initial visit to Honfleur 10 years ago, there have been numerous visits and exchanges involving high school students, Boy Scouts, Champlain College students, Vermont artists and residents, members of the Lake Champlain Region Alliance, Alliance Française, and Honfleur officials and residents have been hosted in Burlington in 2013 and in 2017. And there are already talks of a future trip to Burlington in 2021. These exchanges aim at promoting and understanding our respective cultures and economic development opportunities in a global and mutually rewarding way. Burlington Mayor Miro Weinberger and his Honfleur counterpart, Monsieur le Maire Michel Lamar, have met in person on several occasions in the past, and they signed this charter last fall in a ceremony held simultaneously by a video conference in Burlington City Hall's Contois Auditorium and Honfleur City Hall. So they were not strangers working and meeting virtually even before the pandemic took place. We appreciate both Mayor Lamar and Mayor Weinberger taking the time out of their very busy schedules to discuss how their cities are faring during these very challenging times. Bienvenue. Merci d'avoir trouvé le temps de nous parler aujourd'hui. Je suis désolée que mon français n'est pas bon de tout, mais nous avons Richard Glisch, qui est un traducteur extraordinaire. Et je suis heureux aussi d'accueillir aussi Madame Le Chevalier, Lise, et le président de notre comité jumelage, et aussi Marc et Donna, and Lisa and Peter. Why don't you all say hi? We welcome Monsieur le Maire Lamar of Honfleur, and these are part of our committee that are here, and we would like you to welcome the mayor before I ask these few questions. Okay. Bonjour, Monsieur le Maire, et bienvenue. Bonjour, bonjour, Monsieur le Maire. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est un honneur de vous voir malgré toutes ces difficultés. Bonjour. Bonjour, M. Maire. Je regrette que Mayor Weinberger ne pourra pas nous rejoindre aujourd'hui, peut-être un autre temps, mais vous savez tout seul que c'est bien, bien difficile aujourd'hui de rejoindre les maires de les villes. Merci pour aujourd'hui. Non, mais ça fait très plaisir de vous voir. D'abord, je suis content de vous voir tous en bonne santé. Déjà, ça, c'est très important. Et puis, je reconnais des amis, donc des visages connus. C'est presque un peu de la famille. Voilà, Lisa, Marc, Dana, Lise. Voilà. Puis, les amis chez qui j'étais reçu, je garde des souvenirs magnifiques de la maison de Lisa et des écureuils sur le toit, d'ailleurs. So, the first one is how you and the people of Honfleur are doing during this challenging time of the pandemic and around these surges as well. So, d'abord, comment allez-vous et les gens d'Honfleur pendant cette difficile période de pandémie avec les et spécialement avec les poussées les plus récentes? Alors, nous attendons demain soir, puis ce soir surtout. Le discours du président de la République sur les nouvelles mesures qui vont être prises en France par rapport au coronavirus. La difficulté aujourd'hui, c'est le nombre de personnes qui sont hospitalisées et qui arrivent en réanimation. Donc, les hôpitaux, certains déjà sont saturés, ils ne peuvent plus prendre davantage de patients. Et c'est la grosse inquiétude. Et on pense que si on continue
de sortir dans les rues, d'aller dans les bars, de se rencontrer, le risque est grave et on a peur que les malades se transforment en morts. Dans le département du Calvados, il y a déjà plusieurs décès depuis une semaine qui sont dus au coronavirus. Et on a l'impression que cette fois, par rapport au mois de mars, avril, on a l'impression que le virus est beaucoup plus contagieux. Je vous donne un exemple. Moi, je ne connaissais presque personne qui avait le coronavirus au mois de mars, juin, juillet. Je connaissais presque personne. Quelques employés, deux ou trois personnes de la mairie, de la communauté de communes. Mais là, tous les jours, j'ai des témoignages de gens très proches qui ont attrapé le virus. J'ai une cousine qui est hospitalisée depuis deux jours et qui a été plongée dans le coma. J'ai des gens que je connais, des proches qui sont dans les hôpitaux. Cette fois-ci, je pense que le virus est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus fort et qu'il prolifère à une grande vitesse. En France, on a un indice. Il y a un mois, on avait 60 cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 350 pour 100 000. Donc, et ça continue tous les jours. Donc, je pense que demain, enfin ce soir ou demain, le gouvernement va se prononcer pour un deuxième confinement. So, Mayor, comment vont les entreprises, les restaurants, les commerçants, ont-ils bénéficié d'aide ou de soutien? How are the businesses, restaurants, shoppers faring? Have they been supported in some ways? Merci. Je crois qu'on peut dire sincèrement que le gouvernement français, la France en général, a été exemplaire en la matière et que plusieurs centaines de millions d'euros, voire aujourd'hui des milliards d'euros, ont été débloqués pour aider les entreprises. On fait partie des rares nations dans le monde qui a porté le chômage grâce à l'argent public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le restaurant qui ferme en France, l'ensemble des employés sont payés par l'agence de l'emploi, par le pôle emploi. Donc, le gouvernement, les impôts, l'argent public, financent les salaires du personnel qui ne travaille pas. Dans d'autres pays, si le restaurant ferme, le personnel est immédiatement au chômage sans aucune rémunération et dort dans la rue, enfin au bout de quelques jours. En France, on a cette chance qu'il y a un système social très puissant qui prend en charge et qui aide les entreprises. Moi, j'ai rencontré plusieurs chefs d'entreprise, plusieurs restaurateurs et tous sont d'accord pour reconnaître que l'aide de l'État est exceptionnelle. Mais malgré cette aide, il y a, par exemple, les loyers des commerces qui doivent être payés. L'État ne peut pas aider en tout, donc il porte déjà les salaires. Il prend en charge aussi les différentes charges sociales. Certaines entreprises n'auront pas à les payer ou ce sera différé. Mais il y a des aides importantes. Et nous, la communauté de communes du pays d'Honfleur, on a donné de l'argent de façon importante qui a permis notamment d'aider des petites entreprises locales, des petits commerces et des artisans locaux. La région a aidé, le département a aidé, toutes les collectivités de la commune, en passant par le département, région, État, ont versé de l'argent pour aider les commerçants, les entreprises, les artisans. Mais ça ne remplacera jamais une activité économique normale, jamais. Et on voit dans des rues à Paris, à Caen, malheureusement, on voit sur les boutiques des petites étiquettes en papier, des petites étiquettes qui disent « Merci à nos fidèles clients qui nous ont, pendant des années, qui sont venus, qui ont acheté chez nous, mais nous n'avons pas pu tenir, le magasin est fermé. » Parce que certains n'ont pas pu tenir malgré les aides du gouvernement et des collectivités. Voilà. Et Monsieur le maire, comment sont les écoles? Comment les écoles gèrent-elles? Alors, les écoles donc dépendent des mairies en grande partie, c'est-à-dire que les bâtiments sont gérés par les mairies et la mairie a mis à disposition un personnel municipal renforcé, beaucoup plus de personnel, parce que forcément, pour éviter que les enfants se touchent ou s'abordent, on a besoin davantage de surveillance.
Et puis, bien évidemment, donc les enfants, les plus petits, c'est compliqué pour le port du masque. Donc, dans les écoles maternelles, il est autorisé que les enfants ne portent pas le masque, mais les institutrices, instituteurs doivent veiller à ce que les enfants ne se touchent pas. Alors, c'est quand même compliqué parce que l'école, c'est justement le lieu pour qu'on rencontre l'autre, pour qu'on socialise les enfants, qu'on leur apprenne à être solidaire, à jouer avec les autres. Et là, depuis plusieurs mois, on apprend aux enfants à ne pas se toucher, à ne pas jouer ensemble. Donc, mais si on ferme les écoles, on va avoir un problème économique car les parents ne pourront pas aller travailler, ils ne peuvent pas garder les enfants. Donc, le gouvernement, même s'il reconfine demain, a décidé de ne pas fermer les écoles, les établissements scolaires, mais à renforcer dans les écoles le port du masque, l'utilisation du gel et la distanciation. Et pour les plus grandes écoles que sont les universités, les collèges ou les lycées, le gouvernement prône le télétravail, donc notamment de faire les devoirs par télétravail, par télétransmission, les cours par télétransmission. Donc, mais les écoles ne seront pas fermées parce que c'est un problème de garderie d'enfants quelque part. From our group, you might have another question or a follow-up for Mayor Lamar. We don't want to keep him much longer. We might have just a few minutes with him. Are there other questions that have come up for you? Donna, I see you moving forward. Go ahead. Comment est-ce que le tourisme a été touché à Honfleur? Parce que quand même, c'est pour Honfleur, le tourisme est quelque chose de très important. Et bien entendu, je pense que ça a diminué. Mais est-ce qu'il y a des mesures pour essayer de compenser à ce qui se passe? Merci, Dana. Alors, je dois vous dire que alors, c'est un paradoxe, mais la saison 2020 a été une des meilleures saisons de l'histoire d'Honfleur, avec des milliers de visiteurs, des rues noires de monde. Bien sûr, alors avec le port du masque, parce qu'en tant que maire, j'avais demandé à ce que le masque soit obligatoire dans l'hypercentre, pour toutes les raisons que vous pouvez comprendre. En plus, comme on reçoit beaucoup de monde, on a encore plus de risques d'attraper le virus parce qu'il circule encore plus. Mais paradoxalement, il n'y a pas eu tellement de cas de Covid pendant l'été. C'est incroyable, mais il n'y a pas eu beaucoup de cas à Honfleur pendant l'été. Beaucoup de monde parce que les Franciliens, les Parisiens, les Français ne sont pas partis à l'étranger et ils ont tous choisi des destinations qui leur rappelaient un peu les vacances. Alors, il y avait des publicités marrantes qui montrait Honfleur. Vous ne pouvez pas aller à Amsterdam, mais vous pouvez aller à Honfleur parce que ça y ressemble. Vous ne pouvez pas aller à Tokyo, mais vous pouvez aller dans telle ville en France parce que ça y ressemble. Donc, et les Français ont joué le jeu, ils ont été très présents, ils ont beaucoup dépensé et les restaurateurs étaient heureux. Et tous m'ont dit, on a fait une saison fabuleuse, on est tranquille, c'est bien reparti. Et ils ont cru que ça allait continuer jusqu'au 15 septembre, où le Premier ministre a expliqué qu'à nouveau le virus circulait et où il a décidé notamment de distancer dans les restaurants. Donc, il y a des mesures dans les restaurants. Les restaurants doivent baisser leur jauge de 30%, c'est-à-dire que si vous avez 100 couverts, vous n'avez droit qu'à 70 couverts. Vous devez mettre des plexiglas entre les chaises, entre les tables. Et les serveurs, les cuisiniers doivent porter le masque en permanence. Et là, je crois que demain, on s'attend à une fermeture le soir, je crois même dans la journée des restaurants. Les administrations apparemment resteraient ouvertes, mais tout ce qui est commerce et restaurants traditionnels, sauf les magasins d'alimentation, tout le reste serait fermé. Et puis, sur le commerce, on s'est rendu compte que les petits commerçants, les commerçants de proximité, les boulangers, les pâtissiers, les charcutiers, avaient fait des mois exceptionnels, car les gens retrouvent les commerçants d'autrefois. Les gens reviennent vers les petites boutiques et ils ont un conseil, on les aide, on prépare leurs colis. On a eu aussi des bénévoles qui se sont portés candidats, volontaires, pour aller porter aux personnes âgées, aux personnes malades, les courses chez elles. Donc, la pandémie a eu aussi des côtés positifs parce qu'on a vu qu'il y avait des gens qui étaient solidaires et qui pensaient aux autres. Voilà. L'hiver, à mon avis, va être difficile parce que il y a une sorte de, je ne sais pas chez vous comment ça se passe, ça doit être à peu près pareil, je pense, parce qu'il y a une morosité ambiante et puis il y a la peur parce que maintenant, les familles ont des proches qui sont atteints du virus. Et devant ce virus, personne n'est égal.
vous avez des gens qui font 1m90, sportifs, qui tombent dans le coma, enfin, qui sont très malades. Puis vous avez même des personnes âgées qui s'en sortent. On a, par exemple, à l'EHPAD Domfleur, on a 3 cas. On a eu la semaine dernière 3 cas de Covid, de gens de plus de 80 ans, et les 3 vont beaucoup mieux et ils vont s'en sortir. Puis vous avez des gens jeunes de 25, 30 ans qui, malheureusement, qui décèdent. Donc, il y a cette morosité. À l'aube des fêtes de Noël, qui d'habitude sont des fêtes sympathiques, toutes les manifestations sont annulées. Il n'y a plus de marché de Noël, il n'y a plus de foires, de manèges. Les villes sont tristes, il fait froid, il fait gris. Donc, ce n'est pas joyeux. Il faut tenir le coup. Quand je pense à nos anciens qui ont connu 4 ans de guerre, c'était aussi très, très, très dur, beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus dur. Mais on sent que les gens sont fatigués. On sent que les gens sont fatigués. Et dans les hôpitaux également, dans les hôpitaux, on sent une sorte de déprime qui gagne le personnel soignant, qui est fatigué, qui n'en peut plus. Et on craint que s'il craque, il n'y ait plus personne pour soigner les malades. Thank you. And Peter, and I know Lise has a quick question as well. Peter. Thank you, Fran, and I'll ask in English and then in French. My question is about, I understand you're awaiting remarks this evening from the President of the Republic, but whether it is thinking back to March through the summer or this fall now and what you anticipate coming ahead, has there been consistent messaging from the federal government in France about how it is asking the public to respond to the virus? And aside from the government's message, to what extent is there tension around or protests against masks, against measures that some perceive as overly restrictive? Alors, ma question, c'est en deux parties. En fait, au niveau de la réponse fédérale, nationale, depuis le début, est-ce que vous estimez qu'il y a eu une cohérence et une approche qui restait ferme et qui ne changeait pas de semaine en semaine ou de mois en mois? Et puis, en dehors de la réponse et des mesures du gouvernement, à quel point est-ce qu'il y a eu des réactions publiques contre les mesures, contre le confinement, des manifestations anti-masques, etc., que nous avons vues aux États-Unis parfois, par exemple? Deux très bonnes questions. Alors, sur la dernière question, on n'a pas eu tellement de gens qui ont contesté le masque, le port du masque, ou qui ont crié au complot, à la manipulation, tout ça est faux, on nous ment, on veut nous museler. Et il y en a toujours. Et on entend souvent davantage les minorités qui crient très fort plutôt que l'immense majorité, finalement, qui, elle, de bon sens, constate. Je crois que ceux qui pensent que le masque n'est pas utile, que tout ça est du cinéma, si on les emmène demain matin dans les salles de réanimation des hôpitaux normands, ils vont vraiment regretter leurs propos. Parce que quand on voit les gens qui sont retournés plusieurs fois par jour pour pouvoir respirer, qui sont intubés, quand on dit aux familles, on pense que votre fille, votre enfant, votre père, votre femme ne va pas résister, je crois, là, on peut malheureusement, je préférerais que ce soit un complot et qu'il n'y ait pas de danger, que c'est moins dangereux. C'est malheureusement la réalité des gens, tous les jours, entrent en réanimation. Et 50%, me disait quelqu'un, d'entre eux ne sortent pas de réanimation, ils décèdent, les personnes décèdent. Donc moi, en France, il n'y a pas eu ce mouvement qui s'entretient d'ailleurs par les réseaux en grande partie de lui-même, à tous les niveaux. Un jour, c'est le masque, le coronavirus, c'est un autre jour, c'est tel dossier. Enfin, voilà, c'est une sorte de fond qui revient comme ça de temps en temps. En France, non. Alors, à Caen, la capitale du Calvados, dans le département où je me trouve, il y a eu une distribution, oui, effectivement, de tracts dans les boîtes aux lettres en disant aux gens qu'il ne fallait pas croire qu'il y avait le coronavirus, que tout ça, c'était un montage des gouvernements. Sur la gestion de la pandémie par le gouvernement, là encore, je vous dis ce que je pense. Je pense que le gouvernement, comme tous les gouvernements en général et en Europe, ne savent pas trop ce qu'il en est.
Ils sont devant quelque chose qu'ils n'appréhendaient pas. Ils sont devant quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, qui sort de nos habitudes. Et on retrouve ce genre de situation dans les pandémies du Moyen-Âge. À Honfleur, en 1437, je crois. En 1437, à Honfleur, un bateau est arrivé, une centaine de personnes sans doute à bord. Et ces personnes étaient atteintes d'un virus, d'un microbe. Et il y a eu, en l'espace de quelques semaines, 3000 morts. 3000 morts. Donc, effectivement, on avait oublié, nos sociétés modernes avaient oublié que les virus existent et qu'ils sont dangereux et qu'ils peuvent décimer, comme la grippe espagnole, le choléra, la peste, etc. Donc, je crois que le gouvernement, qu'il soit français, espagnol, italien, si je peux me permettre, américain ou mexicain, devant ce phénomène, il a peu de moyens, si ce n'est de dire aux gens de rester confinés chez eux. C'est la seule véritable pratique qui a été officiellement reconnue dans le monde. Moins les gens sortent. Alors bien sûr, il y a aussi des détracteurs qui disent, regardez en Suède, on a laissé les gens attraper le virus et finalement, ils s'en sont mieux sortis. Oui, mais nous, on n'est pas suédois, on a des habitudes qui ne sont pas les leurs. Et puis, encore une fois, personne n'est égal devant ce virus. Quelqu'un peut s'en sortir, l'autre peut mourir. La seule solution à ce virus, ce sera le vaccin. C'est un vaccin qui doit, et on espère, arriver. Mais comme les vaccins ont un process pour qu'ils soient efficaces, un process qui est inéluctable, je crois que c'est 1 an et demi à 2 ans, on est obligé d'attendre. Alors oui, il y a eu peut-être des manquements, notamment au début de la pandémie. Je crois que les gouvernements, pas seulement le français, mais les gouvernements n'ont pas vu venir la pandémie. Ils n'avaient pas le nombre de tests nécessaires. Ils n'avaient pas de matériel dans les hôpitaux. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça arrive. Et puis, en général, depuis longtemps, on a revu la politique hospitalière en supprimant des postes. Et là, on se rend compte qu'on a eu tort, mais il est trop tard. On ne peut pas faire revenir des gens qui ne travaillent plus dans les hôpitaux. Par contre, nous, les collectivités locales, là, les gouvernements se sont rendus compte que la proximité, les petites villes de France notamment et les villages ont fait un travail extraordinaire de proximité pour, dans la solidarité, continuer de venir alimenter des personnes qui étaient chez elles, dans leurs maisons, dans les rues, dans les campagnes. Ce sont les mairies et les communes qui ont beaucoup travaillé. On a été sur le pont tous les jours. Et on a, moi je peux vous dire par exemple que nous ici à Honfleur, c'est la mairie, c'est la communauté de communes et la mairie qui ont acheté les masques, 40 000 masques, qui les ont financés, qui les ont distribués, alors que ça aurait pu être le gouvernement. Malheureusement, il ne pouvait pas, il ne l'a pas fait. Ce sont les communes qui se sont débrouillées pour distribuer à leurs habitants des masques. Et je crois que le gouvernement s'est rendu compte de l'importance d'avoir un maillage en France de 36 000 communes qui étaient souvent décriées ou contestées ou critiquées. Et là, le gouvernement s'est rendu compte que c'était une force. Ces milliers de communes proches des gens qui souffraient ou qui étaient malades, ça a été une force. Mais je crois que la gestion, pour conclure là-dessus, moi je regarde les nouvelles quand je peux, hein, tous les jours, sur BFM ou ailleurs, je vois qu'en Italie, en France, en Angleterre, en Espagne, partout c'est pareil. Ils ne savent pas quoi faire. Un jour on confine, un jour on ferme à 21h, le lendemain on ferme à 18h, après on ferme les écoles, après on les réouvre, et puis l'Allemagne regarde ce que fait la France regarde ce que fait l'Angleterre. Personne ne détient la solution exacte. Malheureusement, la seule solution, ce sera le vaccin. Une plus question, monsieur le maire? Oui, moi je voudrais vous demander chez vous comment ça se passe alors à Burlington et au Vermont alors. Alors il y a deux choses, c'est qu'aux États-Unis, les choses vont pas vraiment mieux qu'en France, peut-être encore moins bien. Il y a une forte recrudescence des cas. Par contre, au niveau très local dans le Vermont, on a un gouverneur et son équipe qui ont fait un excellent travail au niveau de l'information, de la prévention, et un public en général qui joue le jeu. Donc, là, actuellement, comme tout le monde, on commence à avoir une petite recrudescence de cas, mais dans des proportions réduites qu'ailleurs dans le pays. On a, par exemple, là, on est à quelque chose comme 7 cas, 7 ou 8 cas pour 100 000 habitants. Il n'y a pas eu de décès depuis des mois. Il y a 2 personnes hospitalisées au total dans tout l'état du Vermont. Enfin, on en est à quoi? Et surtout, il y a
le suivi, une fois que le suivi, dès qu'il y a des cas déclarés, se fait très rapide. Et donc il y a un peu, on est un peu dans cette situation. Par contre, on demande à tous les gens de l'extérieur du Vermont, quasiment maintenant, en théorie, doivent se confiner et se mettre en quarantaine pendant 2 semaines s'ils veulent visiter le Vermont. Quoi. Donc, on suit aussi très près ce qui se passe à l'extérieur et on essaye de contrôler les entrées et sorties de l'État par rapport au reste du pays. Dans la presse nationale, je pense qu'on dit que le Vermont est un des États de tous les 50 où il y a le moins de cas. D'accord. Ici, à Vermont, Burlington, le maire Weinberger, toutes les semaines, il annonce des improvements, des affaires d'éducation, des business, et le gouverneur aussi. Et moi, ma question, c'était de la vaccine. Si la vaccine vient chez vous, est-ce que le monde sont prêts de l'essayer? Are the people in France, when the vaccine becomes available, ready to take it? Is there any apprehension on that? Because I think that's the next step. Alors, oui, Richard, donc je réponds à Lise. Oui, il y a déjà des jeunes qui se sont portés candidats, des jeunes qui pensent que c'est intéressant de l'essayer et de façon solidaire, parce que c'est vrai qu'il y a des craintes. On entend tout et tout est son contraire. On nous dit que, par exemple, en Chine, en Russie, ils ont déjà le vaccin. Mais des professeurs, des médecins qui ne s'entendent pas tous entre eux disent « Attention, c'est très dangereux, ces vaccins, ils ont été mal faits. En vérité, il faut minimum 1 an et demi à 2 ans pour vérifier l'efficacité d'un vaccin. Et si les gens sont vaccinés avec des vaccins qui ont été faits trop rapidement, il peut y avoir des conséquences. » Alors forcément, ça fait peur aux gens. Mais je crois qu'à partir du moment où le gouvernement français et notamment les agences régionales de santé diront qu'un vaccin de qualité, un vaccin vraiment, un vaccin officiellement reconnu au niveau international sera prêt, oui, les gens sont prêts à se faire vacciner. Parce que les gens, maintenant, là, depuis 15 jours, 3 semaines, le nombre de personnes dans nos connaissances qui ont le virus et qui sont en très mauvais état fait peur. Et je crois que les gens aujourd'hui sont prêts à se faire vacciner pour éviter justement de finir comme ces gens qu'on voit dans des lits en réanimation. Merci, Richard. Merci, Monsieur le maire. Thank you for everyone. We are so grateful. Merci beaucoup. We wish you good health, santé, and if anyone wants to say another goodbye, thank you so much for the time. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Maire. Merci beaucoup à vous tous. Thank you for every. And I hope to see you again. Yes, take we care. Will. Take care. Okay. Merci bye beaucoup. Bye. We have your bed. We have your bed, Mr. Maire. Come and see us. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Bravo. Au revoir.